Je le dis avec solennité. Ce projet est crédible, juste et novateur. Et s'il y a des comptes à rendre, et s'il y a des leçons à demander, je crois que là-dessus, il faut que chacun fasse un peu le ménage devant sa porte. En la matière, je suis convaincu qu'avoir une multiplicité, c'est multiplier les solutions. Vous savez, je crois que j'ai évolué sur ce point et qu'il faut rester calme là-dessus. Il n'est pas acceptable, en cette période contrainte, que vous n'en ayez aucun ou que vous les ayez tous. Cet objectif est au cœur des préoccupations de nos concitoyens. Il est au centre de mon action politique. Néanmoins, il reste un défi majeur devant nous. L'Orsionnel, qui a commencé à se stabiliser, n'a pas diminué. L'année a été jalonnée par de bons et de mauvais mois, même si, globalement, la tendance et franche. Pour ma part, je regarde la France de la marche et j'y vois une explication qui est d'ordre. Alors là, permettez-moi de vous dire à quel point je suis d'accord avec vous. Et je propose donc de se mettre autour de la table et de définir une véritable provignatoire qui puisse concerner, et je dis ça, c'est important, l'ensemble de la population. Alors je crois qu'il faut sur la question savoir raison garder. Car enfin, il s'agit ici d'une stratégie globale qui a pour ambition de lutter contre la volatilité pour couvrir tout le spectre. Nous ne pouvons rétablir une France nouvelle, ça on le sait aujourd'hui, sans redéfinir les perspectives du secteur facoliorique. Au fond, on me dit toujours, il faut sortir du trou. Mais vous avez raison de dire cela. Et c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Juste un chiffre, parce que c'est important. On devrait atteindre 521 millions en 2035 contre 295. Et 25% serait au-dessous. Et 17% de ces 25% serait de plus de la moitié.
Alors oui, mais je pense que la situation est beaucoup plus globale. Personne n'est dupe. Elle n'a au fond que trois objectifs. Maigratellement, frontilation. Et je vous prends juste un exemple. Donc, considérer les besoins d'un territoire, sélectionner les besoins d'une population, et enfin, faire concorder l'offre et la demande. Je souhaiterais réaffirmer avec la plus grande conviction les conditions d'une véritable conciliation. Je le répète, ce n'est pas un projet d'intégration, mais de précoration. Je me battrai avec détermination, à condition de se mobiliser dans l'ensemble. Si on ne cloisonne pas les réformes, c'est une chance sur deux. Deuxièmement, et j'en aurai fini sur ce point, quand vous dites la dette, monsieur, vous dites la dette, on ne peut pas la changer. Très bien. Mais il n'y a pas que la revoitre. Il y a aussi les dépenses. Alors vous avez raison sur ce point, l'actualité nous ramène toujours à des événements dramatiques. Mais on sait bien aujourd'hui que rien ne remplace l'ampleur des consignations. Et c'est pourquoi nous allons renforcer notre implication. Et pas plus tard que demain matin. Les Français doivent le savoir. Il y a une facture, mais il y a aussi une ardoise. Alors, vous allez me dire, y a-t-il des messages plus importants ? Y a-t-il besoin de montrer des photos ? Est-ce qu'on regarde la réalité ou est-ce qu'on la subit ? Je pense en particulier aux propositions concrètes pour régler les crampons. Et ça, c'est du sur-mesure. Ça crée des malaises, de l'ignomie, de la suspicion. Si nous ne considérons pas que chaque modalité est un atout pour le pays, je ne reviens pas là-dessus, vous les avez toutes en l'esprit. Le point de départ, ce sont des druites et des voirs. Nous ne voulons pas le pouvoir pour le pouvoir, mais le pouvoir pour le trovrar soi. Par conséquent, je suis certaine, vous m'entendez ? Je suis certaine. À condition d'être assorti de l'urgence. Alors là, oui, vous avez raison sur ce point, la tâche sera difficile. Je pourrais dire à telle ou telle catégorie, on ne peut pas. Et ce n'est pas suffisant à mes yeux. Sur cette route semée d'embûches, nous leur montrerons. Et ça, c'est quelque chose d'important. Nous sauverons, nous ferons, nous voulons, nous mettrons. Mais enfin, l'avenir ne s'écrit pas au passé. Et pardon de vous le dire, mais c'est totalement clivant. Et comme le disent les polytechniciens, on est revenu au problème précédent. Cela n'est pas possible. Et je le redis, il manque à la France un point de croissance en moyenne par an pour résoudre. Il me semble qu'il faut dresser la photographie d'un choix proactif et non incitatif. Je crois surtout qu'il faut dépassionner le débat. Alors je le sais, c'est très court. Je ne peux pas vous laisser dire cela. Je suis très heureux de ces choix. Il y a du pour et du contre. Il faut écouter, naturellement. C'est mon devoir. Non, ce n'est pas exact. J'aimerais revenir à la première question. Il y a, par rapport à ce que je viens d'entendre, pas mal de nuances. Et vous me demandez cela à moi ? Et j'en profite pour remercier du fond du cœur. Mais pourtant, le problème, il est très simple. Oui, j'allais y venir. Alors c'est vrai que... Avant de répondre, j'aimerais dire que... Si avant tout... En préservant le champ des négociations... Il faut que l'on puisse... Offrir... Traduire... Concrétiser... Non, ce n'est pas exact. Alors... Il faut que l'on puisse dire... Et aujourd'hui... On sait le faire. En jouant la carte de... On en parle depuis longtemps. Mais c'est une réalité.
Parce que, je le redis, finalement... Alors, évidemment... Non, mais au fond, le problème... Vous savez, j'aimerais répondre à la première question. Parce que j'entends... J'étais l'une des premières à dire... Alors, on peut toujours se demander si... Aujourd'hui, j'ai une question. Vous savez...